Run, run when you see the rhinoceros. When you see the rhinoceros. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Romain Brasseur qui est ostéo et on va parler un petit peu ostéopathie en lien avec le crossfit ou le sport. Voilà. Bah écoute Romain, ça va? Ça va et toi Ludo? Ouais, bah nickel, écoute, tu veux bien te présenter Allez, je te présente pas. Je m'appelle Romain Brasseur, je suis ostéopathe depuis 2013, installé à côté de la boxe depuis 2014. On travaille pas mal avec Ludo depuis ce temps-là. Je me suis formé en ostéopathie du sport. Et après, je pratique la course à pied, le hand et à mes temps perdus un peu de crossfit. Mais oui. Ok, cool. Qu'est-ce qui t'a fait accrocher en fait quand on s'est rencontré la première fois, parce qu'on ne se connaissait pas spécialement avant? Non. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de dire bah, ça peut être sympa de me mettre justement à côté en fait d'une structure qui prépare des athlètes ou même des gens avec le crossfit classique? C'est vraiment le lien sport-santé, du coup, vraiment la relation entre la santé du sportif, la santé des sportifs accompli, plus ou moins accompli, et du coup avoir ce lien entre on va dire le domaine un peu paramédical, le domaine d'être un corps bien portant, bien mobile, et à côté un sportif qui va du coup bien s'occuper de lui et penser à être en forme. Ouais, bah, c'est justement ce que nous on cherchait à l'époque en fait, de créer justement une structure qui nous permettrait en fait d'avoir la gestion des sportifs, auquel bah, nous on s'en occupait directement en tant que coach. Et puis avoir la possibilité d'avoir justement des personnes du domaine paramédical ou médical autour qui puissent justement assister tout ça. Première question que j'ai envie de te poser en fait, c'est pour toi, quel est l'intérêt de l'ostéopathie en fait pour un sportif? Pourquoi ça peut lui être utile en fait? Donc déjà, un des principes de l'ostéopathie, c'est de pouvoir tester par prévention, c'est la prévention surtout. Donc ça va être le préventif, c'est de faire des séances sans avoir forcément de douleur, mais de se dire tiens, je vais voir l'ostéo, bilan, et l'ostéo lui va tester le corps du sportif, de n'importe qui, c'est un des principes de l'ostéo, de chercher les pertes de mobilité du corps et d'aller par des techniques diverses, libérer toutes ces pertes de mobilité, toutes ces tensions, les lever pour ensuite avoir un corps, on va dire, le plus équilibré possible. Permettre à la personne de se sentir bien. Donc c'est avant tout un but préventif. Alors ensuite avec le sportif, du coup, c'est d'avoir un lien, de pouvoir le permettre d'aller accroître ses performances, de se sentir bien dans son corps et d'être au mieux de sa forme physique. Oui, c'est ça. Donc de toute façon pour toi, dans ta vision, c'est vraiment l'aspect préventif. Ouais. Qui est à l'origine, oui. Après, forcément, il y a l'aspect de traitement en cas de douleur, en cas de blessure, en cas de blocage. Enfin, tout ce qui va être l'imbago, la cervicalgie, etc. On a intérêt dessus aussi. Mais l'efficacité de l'ostéopathie sera vraiment le mieux sur de la prévention et dans la durée. Quelqu'un qui viendra minimum 2-3 fois dans l'année chez l'ostéo va pouvoir, par prévention, travailler certaines pertes de mobilité, certaines accumulations de tension qui sont liées avec le sport aussi. Par exemple, avec le crossfit, on va accumuler pas mal de charges, on va se développer. Normalement, le corps aussi, il faut qu'il puisse se réguler et récupérer. Et l'ostéopathie est un bon moyen pour faire ça. Ouais, donc c'est l'aspect prévention, mais aussi quand même permettre de réparer aussi, on va dire, s'il y a eu des mauvais placements ou des mauvaises positions, ou trop de tensions accumulées aussi. Donc les deux, ouais, c'est super utile. Mais toi, tu préfères voir les sportifs pour la prévention que pour les réparer? C'est toujours plus simple au final, parce que tu bosses sur un sportif qui n'a pas forcément de douleur, tu es là pour l'accompagner à être meilleur. Un sportif qui arrive avec n'importe qui arrive avec une lombalgie complètement bloquée, mais la manipulation est plus sensible pour le patient. On galère plus parce qu'il y a plus de tension. Donc forcément, c'est deux choses qui sont très intéressantes, mais forcément, essayer d'amener quelqu'un à être meilleur, c'est toujours très intéressant. Ouais, non, mais plus ça reprend exactement de toute façon ce que nous on peut avoir. C'est quelqu'un qui va directement connaître les mouvements, qui va directement avoir plus de mobilité, ça va être beaucoup plus facile de le faire progresser derrière que quelqu'un qui arrive complètement raide et qui n'a jamais pu réaliser des mouvements fonctionnels de base. Donc on va beaucoup plus galérer là-dessus. Ouais, ça me semble logique ce que tu dis. D'ailleurs, mobilité, hein, c'est un concept qu'il y a dans l'ostéopathie, dans le crossfit, c'est là où ça se rejoint vraiment. La mobilité, le corps, plus il est mobile, plus il est en santé, mieux il est. Quoi. Et plus on est du coup bien performant, aussi bien physiquement que mentalement et à tout niveau. Ouais.
Et justement, donc, au niveau des séances, tu parles du nombre de séances, donc on voit un peu tout sur internet, on entend, moi j'y vais toutes les deux semaines, je vais voir mon ostéo, moi je fais un bilan par an, etc. Pour toi, en fait, voilà, partant du principe qu'une personne n'est pas blessée ou quoi que ce soit, combien de fois à peu près par an ou par mois, je sais pas, ouais. toi, combien de fois tu penses que ça peut être intéressant pour une personne? Par exemple, du principe qu'elle n'est pas lésée. Ouais, sans blessure, du coup, ouais. Je pense que par bilan, par prévention et par suivi, allez, je veux dire au maximum d'une séance par trimestre. C'est-à-dire 4 séances par an. Okay. Déjà, avec 2 séances par an tous les 6 mois, c'est déjà bien. 4 séances par an, ça permet de faire un suivi assez complet, qui suit aussi le rythme des saisons, qui suit l'évolution en fait, de chacun, suivant les périodes de vacances, les périodes de stress, les périodes de travail. Ouais. Donc pour moi c'est important. Après il ne faut pas oublier que du coup l'ostéopathie dans les techniques, le but c'est d'aller libérer des tensions. Et l'information donnée par la technique pratiquée en fait c'est d'envoyer une information au système nerveux pour que le système nerveux lui ensuite fixe les libérations de tensions. C'est-à-dire permettre au corps de se retrouver mobile et que ça dure dans le temps. Ouais. Pour moi d'aller voir un ostéo une fois par semaine, une fois par mois, à force le système nerveux comprend plus ce qui se passe et n'intègre plus les modifications envoyées par l'ostéo et ne stabilise plus la chose. Ouais, l'efficacité à être manipulée régulièrement. Donc quand on voit les personnes qui sont chez ostéo quasiment tous les 15 jours, c'est une grosse connerie. Après, tout dépend du travail qui est effectué par l'ostéo à ce moment-là. C'est juste un petit travail de réglage. Je sais que tu ne peux pas te mouiller avec tes collègues, ça, non, mais en gros, grosso modo. Non, mais pour moi, il n'y a pas d'utilité d'aller voir l'ostéo. Ça peut être fait tous les 15 jours sur une période quand il y a une blessure qui dure un peu, quelque chose de chronique où il y a besoin de restabiliser quand il y a un travail ensuite de remise en forme, de prépa physique, etc. Oui, en accompagnement, ouais, mais ce ne sera jamais une consultation complète et générale, quoi. Ce sera du point par point. Ouais, mais là, on est dans un cas de spécifique en ostéopathie. Okay. Un petit truc que j'ai oublié de demander, Romain, c'est ton parcours vraiment, en fait, comment tu t'es formé et pourquoi tu as voulu devenir ostéo, en fait. Du coup, je suis rentré à l'école de Bordeaux en 2008, donc c'est 5 ans d'études, j'ai fini en 2013. Auparavant, là, sur 2006-2007, j'ai voulu faire une prépa kiné, parce que mon intention au départ était de devenir kiné. Ouais. Et en fait, c'est le moment où l'ostéopathie a eu sa reconnaissance dans le cadre de formation, le nombre d'écoles, avoir un répertoire de nombre d'heures, de nombre d'années d'études. Ouais. Et donc, du coup, finalement, je me suis intéressé et j'ai découvert que l'ostéopathie, du coup, était une thérapie du coup vraiment que manuelle qui intéressait un seul patient à la fois et donc du coup le cadre de la globalité de l'ostéopathie me plaisait plutôt et donc du coup je me suis orienté sur cette formation là. J'ai fait mes 5 ans d'études sur Bordeaux avec divers stages chez, en clinique, en hôpitaux, chez des ostéos. Voilà, après 2013 du coup je suis sorti, je me suis installé directement sur Limoges. En 2014 j'ai intégré du coup le cabinet à la boxe et en 2014 j'ai fait ma formation d'ostéo du sport sur Montpellier. Ouais. Ok, d'accord. Bon, ben nickel. Ouais, mais c'est vrai, pour rebondir un peu sur l'aspect kiné, où c'est vrai, en ce moment, il y a pas mal de débats un peu là-dessus, en termes de X patients pris en même temps. En fait, c'est vrai que dans le cas de l'ostéopathie, c'est pas possible de toute façon de. C'est un patient à la fois sur une séance. Façon, ouais, tout à fait. Quoi qu'il arrive pour vous, c'est comme ça. Et c'est que manuel, l'ostéopathie, il n'y a pas de machine associée. La pratique ostéopathique, voilà, c'est dans la définition de manipulation manuelle et c'est pour ça. Donc voilà, c'est pas pour rentrer dans le débat kiné-wat, c'était juste pour avoir effectivement. Non, on est complémentaires au kiné, hein. Moi ce que je tiens à dire, c'est la guéguerre, il n'y a pas de guéguerre entre kiné et ostéo. Moi, on est complémentaires au kiné, on est surtout complémentaires pour le patient. Quoi. Donc le but, c'est de permettre au patient d'avoir le meilleur soin possible et de se rétablir le plus vite quand il y a besoin. Ouais, on est d'accord, c'est pour ça qu'on a. Pour être sûr, on travaille avec un kiné à la salle qui est juste à côté, qui est avec Romain dans le petit centre de santé justement à Vladimir. Donc voilà, on verra peut-être avec lui sur une autre vidéo après. Mais en tout cas, je sais qu'il y a Xavier Dumélier qui va tourner une petite vidéo aussi avec nous. On va parler un petit peu de prise en charge justement en kiné aussi. On verra ça plus tard. Mais ok. Pour revenir direct sur l'ostéopathie, c'était au niveau des techniques, vous avez plusieurs techniques, vous avez des méthodes un peu différentes, parce que on voit toujours le principe, je vais chez l'ostéo, il va me faire craquer le dos, machin. Donc voilà, vas-y, explique-nous un petit peu. Chaque technique va être, en fait, on s'adapte au patient. Donc ça va dépendre du motif de consultation du patient, si c'est un bilan, si c'est pour quelque chose d'aigu, une lombalgie, si c'est pour des vertiges, si c'est pour un trouble digestif. On a un panel de techniques qui est hyper important, mais à chaque fois, ça va s'adapter au motif de consultation du patient
et à ses antécédents surtout. L'hyper important, c'est de faire une anamnèse, donc un petit interrogatoire où on connaît l'histoire du patient, tous ses antécédents. Ouais. Et voilà, il y a tous les facteurs de la vie quotidienne, le stress, etc., qui rentrent en jeu, et du coup, on va adapter nos techniques par rapport à ça. Donc sur ça, on a différents panels de techniques. Donc on a les techniques structurelles, donc c'est les techniques qui sont les plus connues, hein. C'est on adapte sur la structure. Donc c'est là où il y a la technique dite de cracking. Okay. Donc qui pour dire n'est pas un craquement d'un os, voilà, mais c'est une bulle de glace qui est entre deux articulations qui éclatent. Oui, ça c'est. S'il y en a encore qui. C'est pas un craquement d'os. Qui pense encore ça, oui, effectivement, voilà, mais c'est toujours bon de le dire, voilà, c'est pas du tout. On replace pas des vertèbres ou des trucs comme ça. Il y a plein de vidéos qui sont sur internet qui ont été faites par d'autres kinés ou ostéo là-dessus. Hein. On ne sait pas déplacer, et heureusement qu'on ne sait pas déplacer les vertèbres comme ça, sinon en fait il y a beaucoup de patients qui seraient ou morts ou tétraplégiques ou paraplégiques, donc non, ça n'existe pas, on remet pas vraiment en place. Donc du coup dans ces techniques structurelles, il y a la technique directe donc de cracking, il y a la technique de mobilisation articulaire, donc on va solliciter sans la résistance du patient les articulations pour retrouver de la mobilité en respectant les paramètres physiologiques du mouvement de l'articulation. Après on va avoir les techniques fonctionnelles. Donc on va plus agir sur la fonction, donc ça va être sur du musculaire et notamment aussi sur les fascias. Donc les fascias aussi en définition, c'est un tissu anarchique du corps qui maintient nos structures, qui enveloppe chaque ligament, chaque muscle, chaque organe du corps. Et du coup ces fascias-là sont là pour absorber les chocs que subit le corps, aussi bien physique que psychique on va dire. Ouais. Donc du coup c'est hyper important de travailler en douceur là-dessus. On a les techniques aussi myotensives, où là on va solliciter le patient en demandant un contracté relâché. Okay. Donc là c'est intéressant pour tous les patients qui sont plutôt tendus, pour les contractures musculaires, choses dans le genre. Donc c'est assez intéressant chez le sportif. Ensuite on a les techniques viscérales. Donc les techniques viscérales elles sont intéressantes pour les problèmes digestifs, certains troubles, on va dire constipation, choses comme ça. Pour tout ce qui est aussi récupération, du coup, parce qu'avec le foie c'est un organe hyper important dans le retour veineux, donc ce qui veut dire dans l'élimination des déchets sanguins. Ouais, donc un travail de pompage au niveau du foie, enfin voilà, un travail digestif à ce niveau-là. Du coup, ça joue dans la récupération. Et ensuite, on a les techniques crâniennes, donc qui, elles, jouent sur le système nerveux en direct, notamment le système nerveux autonome, avec le sympathique et parasympathique, et du coup, qui joue sur le système digestif, sur la récupération et sur le repos des patients. Ouais, on a quand même un panel assez élargi de techniques, panel, et du coup, qu'on adapte et qu'on utilise en fonction du patient, par rapport à son motif, par rapport à ses antécédents, encore une fois. Ok. Ouais, non, mais bon, ça aussi, c'était. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on résume souvent l'ostéopathie justement au fait qu'on va soulager les lombaires, généralement, ou les cervicales au pire, mais vous pouvez travailler quand même sur des choses beaucoup plus. 100%, toujours, qu'un des principes, c'est que l'ostéopathie, c'est que tout est lié. Hein. C'est des principes, c'est que le corps est un tout. L'autre, c'est que la structure gouverne la fonction. Donc voilà, c'est des principes qui disent que on va travailler sur une zone, mais il y a une répercussion ailleurs. Donc certes, on va travailler les lombaires pour libérer. Il peut y avoir une répercussion musculaire, mais aussi digestive. Et à l'inverse, de libérer un organe digestif, de renouer de la mobilité, va pouvoir libérer aussi la zone lombaire. Enfin, vraiment, c'est le lien entre les deux. Ok. Ok, ok. Bah écoute, pas mal. Petit dernier truc, peut-être pour conclure. T'as peut-être pour projet, je sais, de poursuivre tes études dans le sens que tu voudrais devenir formateur, je crois. Et tu vas avoir un mémoire à faire et tu vas essayer de le tourner, crossfit, ostéopathie. Tout à fait, ouais. Ok. Donc, on reviendra peut-être vers toi plus tard pour voir un peu ce que ça donne. Avec plaisir. Pour avoir un peu plus d'infos là-dessus. Et je pense que ça pourra tous nous intéresser pour voir un peu les méthodes, mais parti plus sur un aspect. L'aide de l'ostéopathie pour essayer de récupérer, on va dire. Ouais, voilà, c'est au sein de du coup savoir ce que peut apporter l'ostéopathie pour la récupération chez le crossfitter. Après, ça va être à développer, à voir s'il y a un intérêt, s'il y a un effet. Si c'est bien, s'il y a un intérêt, un effet, tant mieux. S'il n'y a pas, au moins on aura essayé. Ouais, non, mais c'est clair. En plus, voilà, c'est le but d'une étude aussi, hein, qu'elle soit un truc scientifique au moins un peu là-dedans. Et avec l'aide de la science, du coup, pour que okay. Ça puisse être intéressant pour tous. Ouais, bah super. Et profiter à du monde. Ok, bah cool. Merci Romain. Avec plaisir, Ludo. Et puis à bientôt, à bientôt. Peut-être quoi. Ciao. Ciao. C'est là où l'ostéopathie a eu ses premières reconnaissances et un cadre vraiment de formation. Ouais. Et dans le principe, c'est ce qui m'a. Putain. Je vais vous tuer. Run, run when you see the rhinoceros.